Connaissez-vous, connaissez-vous? Afrique de liberté, connaissez-vous? Mesdames et messieurs, connectez-vous rapidement, commencez à partager la vidéo, commencez à mettre le pouce bleu parce que l'information du soir est capitale, l'information du soir, elle est très très importante par rapport à la révolution, par rapport à ce combat. Connectez-vous, 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 partagez la vidéo Afrique de liberté. Alors, Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes évidemment aujourd'hui, vendredi 6 octobre 2023, et nous avons une information très, très capitale à vous communiquer. C'est pourquoi on aimerait une fois de plus vous demander de mettre les pouces bleus. Pompez massivement les pouces bleus. Et évidemment, si vous êtes un nouveau ou nouvelle, abonnez-vous tout simplement. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos directs, nos baillements, nos posts. Tout simplement, Afrique de liberté, tout ce que nous publions sur Côte d'Ivoire 2020. Alors, Afrique de liberté, comme je l'ai dit tantôt, ce soir, on va vous communiquer une information très importante. Vous savez, aujourd'hui là, la récréation est terminée. Et c'est ce que nous voulions voir, c'est ce que nous demandions en tout cas à nos autorités qui sont devant donc ce combat. Il faut prendre des grandes décisions. Il faut prendre des grandes décisions parce que ces gens-là ne sont pas en train de s'amuser, eux, de leur côté. C'est ça qui est la vérité. Il ne faudrait plus attendre quoi que ce soit parce que eux, ils ne sont pas en train d'attendre. Chaque jour, Afrique de liberté, chaque nuit, chers amis, vous voyez tous, sans exception, ce qui se passe. C'est que ces gens-là mènent comme action pour reprendre selon eux leur contrée-là. Vous voyez, ils ne sont pas en train d'attendre. Ils ne sont pas en train, en tout cas, ils ne s'amusent pas. Il faut faire pareil, c'est très important. C'est pourquoi je suis fier et très fier encore de dire que cette révolution, nous allons la remporter, ce n'est pas un débat. Ce combat-là, nous allons le remporter. Parce que tout simplement, ce qu'il faut faire là, ce qu'il faut faire, Afrique de liberté, on le sait. Et je sais que nous allons le faire pour remporter cette révolution, ce n'est pas un débat Afrique de liberté. Alors, ce soir, vous savez qu'au Mali, il y a une occupation très très importante de ces hommes-là qui ne veulent rien entendre, financés par la France pour de sales besognes. Au Mali, il faut dire que les terreaux n'auront plus, en tout cas, de sièges, n'auront plus de base arrière. Parce que, à l'heure où je suis en train de vous parler là, c'est donc mélangé à Kidal, c'est gâté à Kidal. L'armée malienne a décidé de sonner comme ça la fin de la récréation. Assimi Goïta, le grand Goïta, a sifflé la fin de l'occupation. Afrique de liberté. Il faut dire que, actuellement où je suis en train de vous parler là, l'armée malienne est à Kidal pour restaurer comme ça l'état de droit. Et c'est ça que la vérité. C'est la fin de la récréation. La récréation est terminée. Le Mali va appartenir aux Maliens. Totalement, entièrement. Et ça sera ainsi partout en Afrique. Nous allons récupérer nos différents pays. Nous allons élever, relever l'Afrique. Partager, protéger l'Afrique de liberté. On va donc rapidement écouter cette vidéo et ensemble, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Écoutons la vidéo et à tout à l'heure pour le mot de fin. On y va. Jeudi 5 octobre, les FAMA, dans leur progression, ont fait face à un rideau défensif des terroristes avec des tranchées à 10 km environ au sud de Hanefis. Ce rideau défensif a été brisé au cours des opérations aéroterrestres avec la destruction de plusieurs pick-up et un bilan humain très important côté terroriste.
Le chef d'état-major des armées rassure les populations que les forces armées maliennes, fidèles à leur mission régalienne, mèneront à bien ce noble devoir de reprise de toutes les emprises initialement aux mains des forces onusiennes. Conscientes de cette lourde et exaltante tâche, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la vidéo, s'il vous plaît, et de la paix tant recherchée par le peuple malien. Bon. Et dans le même registre, l'armée malienne est engagée dans une opération de maillage sécuritaire de l'ensemble du territoire national depuis le début du processus de retrait de la MINUSMA. Les forces armées maliennes s'installent dans les emprises cédées par la force onusienne aux grandes dames des groupes armés terroristes. Désemparés, acculés dans leur dernier retranchement, ces ennemis de la paix avec leurs complices se disent victimes. On en sait davantage avec Abdoulaye Sako. Imaginez qu'on tente d'empêcher un chef de famille de pouvoir manger ou de se reposer dans certaines parties de sa propre maison. Et quand ce dernier veut sécuriser sa cour afin d'empêcher les bandits, voleurs et malfaiteurs de tout genre d'y accéder, certains membres de la famille en complicité avec ces individus trouvent cela pas normal, étonnant, incongru ou inconcevable avec la raison. N'est-ce pas que les mots vous manquent pour décrire une telle situation? Pourtant, c'est ce que certains groupes armés terroristes avec leurs complices tentent de faire aux forces armées maliennes depuis qu'elles ont lancé une offensive d'envergure. Les FAMA ne font que s'installer aux quatre coins du pays pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la surveillance des frontières. Curieusement, les actions entreprises aujourd'hui par elles pour réaliser le maillage sécuritaire du territoire national sont présentés dans certains milieux comme étant une agression envers des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le narratif est toujours orienté en présentant les autorités maliennes comme des vats en guerre qui veulent coûte que coûte en découdre avec les tenants des bastions des groupes armés, Sapristi ou Kabako en Bamanankan. Et pourtant, c'est le Mali qui a demandé le retrait sans délai de la MINUSMA de son territoire national, une décision actée par le Conseil de sécurité à travers la résolution 2690. Depuis le début de ce processus de retrait en juillet 2023, l'armée malienne a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisées par la force onusienne. Ainsi, les camps d'Ogossagou, Goundam, Ber et Menaka sont passés aux mains des FAMA. C'est là où le bât blesse. Les groupes armés terroristes et leurs complices en panique mettent tout en œuvre pour empêcher cette progression. Intoxication de mentalité à travers certains médias et pose danger explosif et improvisé. Juste mardi dernier, les FAMA ont repoussé trois attaques terroristes entre Tombouctou et Ber, Gao et Anéfis et entre Gomakroa et Nampala. Qu'on ne se trompe, cette marche altière des forces armées de sécurité du Mali se poursuivra jusqu'à l'objectif final advienne que pourra. Car les hommes se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité du Mali, rassure le chef d'état-major général des armées. Le Mali est un et indivisible. Les soldats se battront jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Les soldats se battront pour leur patrie, pour leur nation. Frères et sœurs, ayez partagé. Partagez, pompez les j'aime et les likes. On va parler aujourd'hui là. On va parler à ceux qui pensent que le Mali là, elle est précarée, ou le Mali, elle est bourgade. Voyez-vous, des individus, des bandes armées, des malfaiteurs, des criminels organisés, qui décident de s'accaparer d'une portion de terre du Mali. L'État malien, dirigé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, demande à la MINUSMA de partir. L'armée malienne décide de se déployer dans ces zones-là et d'occuper les camps qui seront laissés par la MINUSMA. Mais qui dit non? Les bandits armés, les malfaiteurs armés qui se sont regroupés au sein d'un conglomérat appelé CSP ou bien Azawad. Ces personnes-là disent que eux-là, c'est leur précaré et que personne ne doit y mettre pied. Mais l'on reconnaît le Mali comme étant un État souverain. Et donc, des individus, des malfaiteurs, des bandits armés, des criminels, oui, décident d'être hors la loi. Eux-là, ils vont prendre une partie du Mali et puis ils vont s'asseoir là-bas. Où est-ce que ça?
Vous avez Akaye Minine, d'après les Djoula. Vous avez dit ça où? Le Mali décide de mater ces gens. De mater ces gens et de faire respecter et restaurer l'État malien. Sur tout le territoire malien, il faut saluer les femmes. Il faut applaudir l'armée malienne. Il faut les applaudir. Contrairement à ce qui est dit partout, là, l'armée malienne est en train de faire un travail propre. Il dit bien un travail propre. Vous entendez les caisses en résonance là, de manipulation, de propagande. L'armée malienne, il y a eu des attaques, tout le tout. Non. Comment un bandit peut venir s'installer chez toi à domicile et puis faire la pluie et le beau temps? Comment un voyou, des individus qui sont dans une impiété totale, indescriptible, des gens qui prétendent parler de pas combattre au nom d'un certain Dieu, des malades mentaux, psychiatriques, qui doivent être internés, qui décident de prendre des armes, qui ont eu une santé, comment dirais-je, militaire, à travers l'intervention en Libye. C'est là-bas qu'ils se sont servis, dans cette poudrière à ciel ouverte, et gracieusement, gratuitement, ils se sont servis. Et ils décident de comment dirais-je, diriger un État. Diriger un État. Depuis quand on négocie avec des terroristes? Depuis quand on discute avec des terroristes? Et on nous parle d'accord d'Alger. Quel accord d'Alger? Mais comme l'État malien avait décidé à un moment donné de discuter avec eux, ils pensent, voici les grenouilles qui se croient plus gros que le bœuf. Alors Assimi Goïta a décidé de sonner la fin de la récréation. Où je vous parle là, Kidal va tomber, Inch'Allah, va tomber dans la main de l'État malien. Attends, moi-même je trouve que les Maliens ont trop duré dans l'affaire là. Voici les individus qui sont à Kidal et puis qui font du chantage, qui sont invités sur les chaînes de télévision et de radio, qui racontent tout et n'importe quoi, qui défient l'autorité de l'État. Et on voit des puissances étrangères parler d'agression. Depuis quand des terroristes peuvent être agressés? Il faut terroriser les terroristes. Il faut traumatiser les terroristes. Il faut traumatiser les traumatiseurs. Mais ces personnes-là qui s'en prennent aux civils, et quand ils sont... Mais vous voyez, c'est là qu'on voit les... On voit comment dirais-je, ceux qui parlent des droits de l'homme voient que vraiment, ils sont tous politisés, pour la plupart. On a vu ici le bateau Tombouctou qui fut attaqué par ces terroristes. Est-ce que vous avez vu les organisations de défense des droits de l'homme là faire communiquer pour soutenir les Mali? Non. Mais quand ils vont attaquer, quand l'État régalien, républicain malien, décide d'aller déloger des terroristes, on les invite sur les chaînes de radio et de télévision et on parle d'agression. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors il faut saluer Assimi Goïta. Il faut saluer cette fois-ci-là. Il faut être ferme. La montée en puissance, la colonne est en train de monter. Ils sont à quelques encablures, n'est-ce pas, de Kidal. Ils vont rentrer dans Kidal dans quelques heures. Ils vont neutraliser ceux qui n'ont pas déposé les armes. Parce qu'il est temps que le Mali s'affirme. Parce que le Mali est puissant au niveau militaire. Le Mali doit restaurer son intégrité. Voilà pourquoi le chef d'état-major, l'état-major des armées a fait un communiqué. Un communiqué. N'écoutez pas, comment dirais-je, les élucubrations, les jérémiades, les gesticulations des terroristes qui font de la propagande sur la toile. Eux et leurs alliés, c'est eux qui font la promotion. Depuis quand on peut faire la promotion des terroristes? Parce que ces gens-là, les CSP, c'est des terroristes. Ils ne sont pas différents de Al-Qaïda, les Jnim, ils sont tous pareils. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il n'y a pas un qui est bon que l'autre. Et tous sont de hors la loi. Que l'on doit neutraliser parce que force doit rester à la loi. Force doit rester à l'État qui est le seul à avoir, n'est-ce pas, la force, n'est-ce pas, comment dirais-je, légitime. L'État a la force légitime d'agir et l'État malien va agir. Les FAMA, pour le communiqué là, c'est jeudi 5 octobre, les FAMA, dans leur progression, ont fait face à un rideau défensif des terroristes avec des tranchées de 10 km environ au sud de Anéfis. Localité située à 60 km de Kidal. Bravo! Ce rideau défensif a été brisé au cours des opérations aéroterrestres avec la destruction des pick-up et un bilan humain très important côté terroriste. Le chef d'état-major des armées rassure les populations que les forces armées maliennes, fidèles à leur mission régalienne, mèneront à bien ce noble devoir de reprise de toutes les emprises initialement aux mains des forces onusiennes.
Conscient de cette lourde et exaltante tâche, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix, tant recherchée par le peuple malien. Union, nous vaincrons. Le 5 octobre 2023, l'armée malienne est à 60 km de Kidal. Oui, l'armée malienne est à 60 km de Kidal. Il faut les saluer parce que la récréation est terminée. Il faut mettre fin à cette hémorragie qui n'a que trop duré. Le rideau défensif a été brisé par une frappe chirurgicale, par un missile qui a atomisé, pulvérisé totalement et complètement ces terroristes, ces bandes armées, ces malfaiteurs, ces criminels. Bravo à l'armée malienne. On va aussi continuer qu'au moment où les forces armées maliennes sont en train d'écrire l'histoire de leur pays sur le terrain, avec des pertes en vie humaine, des blessés qui vont avec. Certains politiciens maliens, au lieu de soutenir leur armée, parce que les politiciens, là, c'est eux qui demandent qu'il y ait des élections au Mali, qu'il faut un gouvernement civil. Mais c'est pourquoi les militants ont pris le pouvoir. Ils doivent faire ce travail et puis donner le pouvoir aux civils. Mais si le territoire national est menacé, mais à quoi a servi la prise du pouvoir par des militaires? Et donc, les politiciens maliens ont de soutenir leur armée qui est en train de se battre pour léguer un territoire, n'est pas stable, pour ceux qui veulent diriger le Mali de demain, afin que le Mali soit un pays prospère. Parce que tant qu'il y aura l'insécurité au nord, mais les richesses là-bas ne peuvent pas être exploitées. Ces politiciens-là, au lieu de se taire, ou bien d'avoir la sagesse de soutenir leur armée, décident de dénigrer l'armée malienne. Alors, nous, panafricains, nous, africains, nous, maliens, ivoiriens, togolais, béninois, nous saluons la montée en puissance de l'armée malienne et nous les encourageons à continuer la marche. À continuer la marche. Les drones, les avions de chasse et les hélicoptères d'attaque sont en train de cracher le feu, sont en train de pulvériser ces individus sans foi ni loi. Ils doivent continuer le travail républicain, les sacrifices qu'ils donnent aujourd'hui pour la patrie. C'est qu'il y a par eux, aucun pays, aucune puissance, aucune nation ne doit venir aider les Maliens. C'est eux qui sont en train d'écrire l'histoire. Depuis des années, c'est hors la loi, ces malfaiteurs, ces voyous, ces criminels, ces esprits mortifères ont semé la désolation. Il est temps d'apprécier la souffrance des populations de Kidal, d'Anéfis, de Gao, partout où le désordre a été installé, l'autre sera installé. Et ils seront mis hors d'état de lui. Il faut saluer la maniabilité, le leadership, le courage, la bravoure, la résilience du capitaine du colonel Assimi Goïta et de son gouvernement. Un gouvernement travailleur, un gouvernement dynamique, un gouvernement perspicace et efficace. Un gouvernement de combat, un gouvernement de dignité, d'honneur, un gouvernement de souveraineté, un gouvernement de restauration de l'identité malienne. Frères et sœurs, partagez cette vidéo. Annoncez la bonne nouvelle que l'armée malienne est à quelques kilomètres seulement de Kidal. L'histoire est en train de s'écrire. Et vous êtes tous témoins. Il faut saluer et applaudir les FAMA, les forces armées maliennes. Il faut vous saluer, FAMA. Je suis à vous. Merci beaucoup à vous pour votre travail. Alors, Afrique de Liberté, chers amis, chers frères et sœurs, c'était donc l'intervention de votre serviteur, l'amiral Bafé. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de vendredi 6 octobre 2023. Partagez-moi cette vidéo massivement. Invitez vos amis, taguez vos amis. Vive le combat, vive la révolution. À bas la France-Afrique, vive le panafricanisme. À bas les dictateurs, à bas les vassaux chefs d'État, à bas ces présidents encore sous domination française. Afrique de Liberté. Partagez la vidéo, invitez vos amis, ça a été un plaisir pour moi, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Allah vous assiste, on est ensemble, ciao ciao. À demain, ou à ce soir, ne sait jamais, pour un autre direct. Si ce, prenez bien soin de vous et bye bye.